Je ne fais pas partie des associations. Si j'ai quelque chose à demander, je préfère le faire directement. Il n'y a pas de représentant local à l'IAD sur Jean Moulin. Et vous connaissez peut-être des locataires de Jean Moulin qui auraient envie de prendre cette fonction? Après la candidature. Après la candidature. Et si l'IAD accepte que la CGL fasse partie du conseil d'administration de PAEC, je suis ouvert à tout dialogue et il n'y a pas de problème, je ferai partie de la vie du quartier et vous remonterez tous les doléances des locataires. Comme ça, vous aurez, ils sauront quelle vie mènent les gens ici. La façon de communiquer au niveau du quartier est des fois un peu individuelle et il serait intéressant que ça soit un peu plus collectif, que la place du collectif et la parole du collectif trouve plus de place. On évoquait l'idée de comité de locataires. Comité de locataires, on a eu l'occasion d'évoquer ça dans une réunion il n'y a pas très longtemps et où effectivement un comité de locataires représente un peu ces notions de collectif et de rassemblement de la parole dans un quartier. Et d'être porteur à ce moment-là, non plus de revendications ou de choses individuelles, mais bien de questions qui sont collectives et qui puissent intéresser un petit peu tout le monde. On avait créé une association et tous les mois, on traitait d'un sujet. D'un sujet, ça pouvait être le médiateur, on a fait venir une fois un directeur d'école, on a fait venir des gens de la sécurité sociale, n'importe quoi, des gens de l'hôpital, et on discutait d'un thème. Et ça, c'est bien, quoi. Et ça, c'était super, c'était très éducatif, c'était une initiative, je l'avais trouvée extraordinaire.